jamais vu. Des manifestations massives, populaires. Et vous, j'arrive. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas venu sur votre télévision. Et votre première question, coucou, face à un journal indépendant qui documente tout cela, votre coucou, première question, c'est les violences contre les policiers. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais j'éteins la télé. Je m'appelle Angèle Andela. Je suis une star. Voilà. Je suis une star. Je suis une star. Je suis Mamie Njansan. Mon Njansan, il donne. Coucou, mais coucou. Voilà. Il m'appelle à chaque fois que je suis en direct. Il m'appelle à chaque fois que je suis en direct. Bon, voilà. C'est pour ça que je vais couper Messenger et WhatsApp. Mais coucou, je vais enlever Messenger et WhatsApp parce que ces gens-là attendre que je sois en live pour me dire donc ce qu'ils ont besoin. Vous pouvez m'écrire quand je ne suis pas en live. Vous pouvez me téléphoner quand je ne suis pas en live. Je vais toujours vous répondre. Je ne suis pas le genre à cacher. Je ne suis pas le genre à m'amuser avec les sentiments des gens. Voilà. Coucou, mais coucou, là, je viens ici vous parler de ma fille. Ma fille était à Hollywood. Après, elle a été au Canada, après, elle était à Amsterdam. Mais coucou, j'ai enlevé tout. Maman peut enlever pour faire plaisir à son enfant. Maintenant, ma fille vit dans le sud de la France. Elle s'appelle France Andela. Là-bas, on la maltraite. Là-bas, elle ne mange pas bien. Je viens ici demander de l'aide. Est-ce qu'il y a des femmes avec des enfants qui ont donné l'amour aux enfants comme moi j'ai donné et que ces enfants-là, à la fin, deviennent comme ça? Mais coucou, si vous avez des enfants, si vous avez donné votre amour, si vous avez fait l'essentiel pour que ces enfants-là soient comme vous voulez, et que ces enfants-là se retrouvent à être oui, elle vit sa vie. Quelle vie? Si tu vis ta vie dans ta maison où tu payes ton loyer, ton électricité, ton eau, ton assurance, ta nourriture,
Je peux dire que tu vis ta vie, mais tant que tu vis chez les gens, tu ne vis pas ta vie. Vous avez compris? Vivez chez vous pour vivre oui. Je m'adresse à toutes les mamans, à tous les papas qui vivent la même situation où l'enfant va vivre chez les copains, les copines pour être l'esclave du copain et de la copine. Je dis non, je dis non, je dis non à ça. Libérez les enfants là. Libérez les enfants là. Je ne suis pas d'accord. Vous profitez de quoi? Vous profitez de quoi? L'enfant quitte la maison de son papa. L'enfant quitte la maison de son papa. Hein? L'enfant quitte la maison de sa maman pour aller faire stage à Hollywood. L'enfant quitte la maison, oui, qu'on la mette dehors. Je dis, une femme ne doit pas habiter chez une autre femme. Une femme ne doit pas habiter chez une autre femme. Si une femme habite chez une femme avec un papa, ça passe. Mais une femme qui habite chez une femme sans papa, ça veut dire qu'il y a abomination. Je m'adresse à France Andela. C'est ma fille. Elle était à Hollywood. Elle était... Mais coucou, j'ai tout mis mes économies dedans. On a... Maman, pour aller faire un stage. Qu'elle quitte. Quittez ici. Hein? Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Quittez ici. Mes filles. Mes coucou. Comprenez déjà bien le français. Comprenez déjà bien le life. Comprenez déjà ce que je veux vous dire. Allô? Allô? Ma fille est partie à Hollywood pour un stage. Allô? Est-ce que ça sonne dans vos oreilles? Est-ce que vous avez fini de vous droguer pour venir me regarder et m'écouter? Ma fille est partie pour un stage. Elle a quitté la Côte d'Azur, donc Saint-Raphaël. Nous, on habitait Saint-Raphaël. Nous habitions Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est la Côte d'Azur. Donc Saint-Raphaël, la Côte d'Azur, Cannes, Nice, Monaco. Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Si moi j'ai habité là-bas, ça veut dire que j'avais un peu d'argent. Tout mon argent est parti dans les économies pour pouvoir payer les études de ma fille. Donc avant de venir raconter ici, cracher, parler, n'importe quoi, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, vous avez compris? Là, 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 à l'heure actuelle, je ne rigole pas avec vous. J'ai même pas envie de lire vos commentaires. Fermez-la, mettez les cœurs, partagez mon direct. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Si ça ne vous est pas arrivé, moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive, vous avez compris? Donc, tu prends toutes tes économies que tu as amenées au Cameroun. J'ai pris toutes mes économies que j'ai amenées au Cameroun avec son papa. Parce que là-bas, au Cameroun, on travaillait. Nous avions une société. On se réveillait à 6 heures. On avait une société d'outils coupants. Est-ce que vous savez ce qui veut dire outils coupants? On avait une société de sécurité. Vous savez ce qui veut dire une société de sécurité? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Maintenant, on a réuni l'argent là à gauche, à droite. Nous sommes venus s'installer en Europe. En Europe, ça n'a pas été parce que ici, tout le monde est Jean-Jean, papa Jean-Jean, maman Jean-Jean. Sauf que, quand tu veux Jean-Jean comme ça, reste avec ton père ou avec ta mère. Ou alors avec les deux. Vous avez compris? Ici, c'est pas quelqu'un qui parle fort ici. C'est moi qui parle fort. Vous avez compris? Ici, personne ne parle. Fermez vos gueules. Vous avez compris? À un moment donné,
maintenant, il faut la fermer. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui parle fort ici. Voilà. Qui dit bon ici dehors là? Qui parle là? J'entends un peu. Attendez, je parle. Oui. Qui a fait bon ici? Je viens d'entendre bon ici. J'ai entendu bon. Qui a dit ça? Qui a parlé? Bon, j'ai entendu bon. Il paraît qu'un voisin a dit bon ici. J'ai entendu bon. En fait, c'est comme si le voisin a dit bon. C'est comme s'il a fait bon. Oh, yay. Maman. Ma fille. Je dis. Je répète que si ma fille France Andela ne fait pas ce que une maman demande à une fille, à son enfant de faire, je vais faire à ma manière. Je vais faire à ma manière. Voilà. Quand on est une maman et que votre enfant se retrouve dans des familles, quand on est une maman et que votre enfant se retrouve dans des familles et que maman, elle fait quoi là-bas? Je veux mes coucou, je ne refuse pas qu'elle vive chez les gens, mais elle doit avoir son logement. La maman qui l'héberge doit la mettre dehors. Vous avez compris? Je suis méchante. France Andela, je m'adresse à ma fille. Elle vit sur la Côte d'Azur. Elle était allée à gauche, à droite. Elle est revenue. Je ne veux plus qu'elle aille là-bas. Mais coucou, nous sommes en France. Nous sommes en Europe. C'est vrai. C'est une femme qui est née. Là, il y a le soleil. C'est une femme qui est née. Vous avez compris? Elle est née là où il y a le soleil. La Côte d'Azur, il y a le soleil. Mais nous ne cherchons plus le soleil. À l'heure actuelle, nous cherchons où dormir. Je vais vous montrer mon lit, mes coucous. Je vais vous montrer là où moi je vais dormir. C'est chez moi. Attendez, je vais. Hein? Quoi? Qui tousse ici? Hein? Ferme-la. Qui pas? Oui. Quand je chante, vous n'aimez pas.
Quand je pleure, vous n'aimez pas. Quand je danse, vous n'aimez pas. Quand je parle, même comme ça. Même ça aussi. Mais coucou, moi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Une maman qui aide ta fille. Kiko! Ah oui, parce qu'il y a des petits gens ici qui veulent tousser. Vous pouvez tousser ici. Attendez, je vais vous montrer un peu. Mais coucou, en ce qui concerne ma vie, ça me concerne. Je ne vous demande rien. Allez vous faire foutre avec vos fourmis. Allez vous faire foutre avec vos malheurs. Vous avez compris? À chacun ses malheurs. À chacun sa tête. À chacun sa mort. Vous avez compris? Je ne vous demande rien. Je ne viens pas à Meta pour vous. Je viens à Meta pour moi. Pour m'exprimer auprès des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Auprès des femmes qui n'arrivent pas à dire. Mais coucou, moi je me suis chosifiée. Je me suis cravatée devant des hommes qui m'ont dit, fais-moi, donne-moi, j'ai fait, j'ai donné. Maintenant, ça ne me dit plus rien. Vous ne pouvez plus rien. Vous ne pouvez plus rien devant moi. Vous ne pouvez plus rien devant moi. Je m'en fous de vous. Vous pouvez me donner quoi? Moi non plus, je ne peux rien vous donner. Il faut que ça s'arrête là. Quittez ma page. Je veux que si France Angela habite chez toi, qu'elle parte de chez toi. Vous avez compris? Bande d'ignorantes, bande de faux culs, bande de va-nu-pieds, me bimé de minazur, me bi, il a, vous avez compris? Je n'ai rien à foutre de vous, je ne suis pas à Meta pour vous, je suis à Meta pour moi parce que je m'aime, parce que je travaille mon argent, Meta me donne 5000 euros par mois, vous avez compris? Et l'argent là, je mange ça seul, je ne vous donnerai rien, je ne donnerai jamais mon argent à qui que ce soit ici à Meta. Vous avez compris? Vous pouvez toujours rester là. Mais je ne vous donnerai rien. Vous attendez que moi je vous donne mon argent. Je ne vous donnerai rien. Meta me paye. Je paye mes impôts. Vous avez compris? Je paye ma Starmania. Je paye ce que je fais à Meta. Je ne donnerai rien à personne. Je ne ferai rien pour personne ici à Meta. Vous allez baver. Vous allez souffrir devant ma page. Vous avez compris? Je parle ici parce que ma fille, là, j'ai allumé ma caméra parce que ma fille vit chez des gens. Que ces gens-là profitent d'elle. Je veux que même si ma fille vit là-bas, qu'on l'aide à avoir son logement. Si on ne veut pas l'aider, qu'elle vienne ici. Moi, je vais l'aider à avoir son logement. Mais coucou, moi, je me suis retrouvée à divorcer. Je me suis retrouvée à vivre dans les maisons, on appelle ça comment? Oh, les meublés. J'ai payé 1000 euros par mois. J'ai payé ça pendant 8 mois. Après, je suis venue ici travailler. Donc, moi, mes coucou, vous ne me servez à rien. Si vous avez compris, vous ne me servez à rien. Mon argent, c'est mon argent. Quand je donne mon argent à Meta, quand je donne mon argent, quand je partage mes étoiles avec les connasses et les connards qui ne reviennent plus ici, c'est tout simplement parce que je suis une personne qui partage. Je m'en fous. Vous me prenez pour qui? Hein? Ma fille vit, je ne sais chez qui. Si c'était au pays, mais coucou, si c'était au pays, c'est que on a des qui l'a. On a déjà fendu à gauche, à droite, prendre ce qui leur plaît. Ici, entre jambes. Oui. Moi, une maman qui vient en parler. Oui. Voilà. Je dis que là où tu habites, France Andela, sors de là. La maman chez qui te loge, elle n'a pas à te loger parce que tu es une maman. Vous savez ce que ma fille m'a dit? Je n'aime pas la ville où tu habites. Mais coucou, j'habite à côté de la plus belle ville du monde, Paris. Elle m'a dit, je n'aime pas où tu habites. Je ne peux pas venir vivre ici. Mais coucou, entre vivre où les gens sont vrais et vivre où les gens... Vous avez compris? Je m'en fous. Je veux que ma fille parte de là. Ou alors, qu'elle prenne
son père. Oui. Depuis quand on vit chez les copines? 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 Depuis quand on vit chez les hommes? Sans participer. Voilà. Parce que moi, je ne lui donne plus mon... Moi, je ne lui donne plus mon argent. Hein. Je ne lui donne plus mon argent. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris? Une femme doit payer son logement. Un homme doit payer son logement. Elle habite là-bas. Elle ne paye pas le logement. Elle ne paye pas l'électricité. Elle vit chez une femme. Je ne sais pas dans quoi elle fait. C'est... Oui, France, je vous dis, ma fille, je me suis battue pour qu'elle vienne ici en France. Elle est venue dans son pays. France, Angela, j'ai pleuré ici, mais coucou. J'ai pleuré ici, j'ai dit, ma fille, elle était à Amsterdam. Elle est venue ici maintenant. Elle est venue ici chez moi, elle a vécu, je ne sais pas. Hein? Voilà, elle a vécu le temps de faire le voyage. Voilà, mais coucou, écoutez-moi bien. Ma fille, France Andela, a fait Amsterdam, Le Mans. Le Mans, 4 jours après, elle m'a dit, je vais rejoindre ma fille. Donc voilà, elle m'a dit, je vais rejoindre ma copine. Je vais rejoindre ma copine. Je lui ai dit, tu pars où, ma? Elle m'a dit, oui, tu sais, comme ici, je n'aime pas ici. Mais coucou, tu veux aimer où? Tu veux aimer où? On aime où on dort tranquillement. Vous avez compris? On aime où on vit. On aime où? Maman, personne ne peut toquer ma porte. Personne ne peut entrer ici. Tant que je n'ai pas ouvert la porte, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mon frère, ma soeur, personne ne peut entrer ici. Mais coucou, vous avez compris? Personne ne peut entrer ici. Je n'aime pas. Tu aimes? Elle m'a dit, je vais aller vivre chez mes copines. Mais tes copines, ce sont quoi? Hein? Oui! Si! Si tes copines, mais coucou, si tes copines t'aiment, tes copines n'ont qu'à avoir un logement. Si elle vivait chez sa copine, avec sa copine, j'allais dire que ce sont des deux filles. Voilà, mais coucou, j'allais dire que ce sont deux filles qui se battent, ce sont deux filles qui s'aiment, ce sont deux filles qui ont leur logement. Mais là, elle habite chez une copine. J'ai une copine qui habite chez sa mère. Mais coucou, entre-temps, elles ont déjà les 20 ans. Hein. Une femme de 20 ans ne devrait plus habiter chez une copine. Si tu veux habiter chez ta copine, d'accord? Si tu veux habiter chez ta copine, prends déjà ton petit logement à côté. C'est toi qui n'as pas un logement à côté. C'est toi qui ne veux pas travailler. C'est toi qui es là en train de chosifier, de minimiser, de ne pas faire. Voilà. Je m'en fous. Vous avez compris? Je m'en fous des têtes de mort. Moi, je m'en fous des têtes de mort. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les têtes de mort? Ben, oh, je m'en fous de ça, moi. Je m'en fous des têtes de mort. Je m'en fous, moi, à la santé. Voilà. Je m'en fous des têtes de mort. Les têtes de mort, ce sont les gens qui sont morts. Ce sont des gens qui traversent la rue, on les écrase en voiture. Oui, les gens qui sont à Facebook en train de mettre les têtes de mort, ce sont les gens quand ils traversent la rue, on les écrase en voiture. Ce sont des gens qui ont fumé. Ils veulent mourir et quand ils viennent à Facebook, on les écrase. Moi, les têtes de mort, pourquoi vous commentez? Mais coucou, il ne faut pas commenter des choses comme ça, genre, c'est quoi les têtes de mort? Il ne faut pas mettre ça ici comme commentaire parce que ça ne marche pas. Il ne faut pas mettre ça parce que les gens qui mettent les têtes de mort, ce sont des gens qui sont morts et quand ils traversent la rue, la voiture a vu une boum, boum,
Pio, on les tue. De... Là, 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 là. Vous l'avez. Mais coucou, vous n'avez jamais vécu ça? Que tu traverses la rue comme ça et tu vois quelqu'un que on, oui. Mais oui, mais coucou. Mais oui, les têtes de mort, c'est ça. Les têtes de mort, ce sont des gens, tu traverses la rue, comme tu es tellement aigri, tellement méchant, tu ne veux pas voir la vie des gens, tu ne veux pas aimer les autres. Quand tu traverses, donc sans faire attention, le camion t'écrase. Vous avez compris? Les têtes de mort, c'est quoi? C'est rien. Je ne, est-ce, mais coucou, vous m'avez même vu les regarder. Vous m'avez vu regarder ces gens-là. Je sais qu'il le fait, mais le monsieur a tellement besoin d'argent. Et que comme j'ai mon argent et que je ne veux pas lui donner mon argent, il faut que vous sachiez aussi que les gens qui mettent les têtes de mort, c'est parce qu'ils veulent que nous, on travaille pour eux à méta et on partage notre argent avec eux. Moi, mes coucous, je ne partagerai jamais mon argent avec les gens de ce genre-là. Ce sont les femmes, ce sont les hommes en faux profil qui veulent que nous, on leur donne notre argent. Mais jamais je vais donner mon argent. Vous me mettez les étoiles par rapport à mes efforts, par rapport à mon courage. Mais coucou, vous savez combien coûte un vêtement comme ça? Vous savez combien coûte un vêtement comme ça? Vous savez combien coûte un vêtement comme ça? Ça ne peut pas payer les étoiles que vous me mettez. Ça ne peut pas payer les étoiles que vous me mettez. Je ne viens pas à Facebook à Meta pour de l'argent. Je viens à Meta pour expliquer une situation qui, voilà, ça va pas, ça va pas. Et j'ai décidé comme ça. Et moi, je ne veux plus entrer dans vos jeux. Genre, tu me donnes de l'argent, je partage tes vidéos, tu me donnes de l'argent, tu me plais. Tu me mets, tu me voilà, tu me fais... Non, mais coucou. Je ne veux plus entrer dans ça. Tu me donnes, je te donne. Non. Non, mais coucou, je ne veux plus dans, je ne veux plus entrer dans ça. Tu me donnes de l'argent, je te mets les cœurs. Hein? Je vous crache dessus. Tu me donnes de l'argent, je te mets les cœurs. Tu ne me donnes pas de l'argent, je te mets les têtes de mort. Mettez les têtes de mort, on en finit. Oui, parce que c'est ça qui se passe sur ma page, mes coucous. Tu me donnes de l'argent, je te donne l'amour, je te donne le cœur. Tu ne me donnes pas de l'argent, je te mets les têtes de mort. Mettez les têtes de mort. Mettez alors les têtes de mort, mettez les têtes de mort. Je ne donnerai pas mon argent, je ne donnerai plus mon argent à qui que ce soit. Mettez les têtes de mort. Mettez les têtes de mort. Vous savez? Mettez les têtes de mort. Vous savez que les têtes de mort rapportent plus d'argent. Mettez les têtes de mort. S'il vous plaît, mettez plus de têtes de mort. Voilà. Je vais vous positionner mes fesses. Mettez les têtes de mort, on en finit. Mettez les têtes de mort, on n'en parle plus. Je ne veux pas que vous, je ne partage pas mon argent avec vous. Meta me paye, mais je ne donnerai jamais ça avec vous. Mettez les têtes de mort. Mettez, j'adore même, j'adore. Mettez les têtes de mort. Continuez, mettez plus de têtes de mort, on n'en parle plus. Si vous pouvez faire comme ça à chaque direct, ça m'arrange. Mais coucou, si vous pouvez mettre les têtes de mort à chaque direct, ça m'arrange. Je m'appelle Angèle Andela, je suis Nguanetone. Je suis donc comme tout. Vous avez compris? On Colmessin, c'est mon village. On comme tout, c'est mon arrière-village. Donc, on Coltima, c'est plus mon arrière. Voilà, mettez les têtes de mort, on n'en parle plus. À la santé. Mettez les têtes de mort, mettez plus. Mettez plus. Vous êtes lent, hein? Mettez-moi plus les têtes de mort.
J'ai mon argent que Meta me donne. Je ne donnerai plus à quelqu'un. Mettez plus les têtes de mort, s'il vous plaît. Mettez plus les têtes de mort. Mettez plus. Vous voulez que j'écarte mes fesses? Mettez plus les têtes de mort, s'il vous plaît. Si les têtes de mort tuaient quelqu'un, c'est que je suis déjà morte. Hein? Mettez-moi les têtes de mort pour qu'on en finisse. Parce que moi-même, mes coucou, la page, si me dégoûte déjà. Tout ce que je fais à Meta me dégoûte. Mettez les têtes de mort, on ferme la page ici. Je vais ouvrir une autre page ailleurs et on n'en parle plus. Parce que ici, on dirait que je flatte les gens. On dirait que je demande quelque chose. Alors que je viens ici parler avec ma bouche. Je viens ici pleurer avec mes yeux. Je viens ici respirer avec mon nez. Mettez les têtes de mort, on en finit. S'il vous plaît, mettez-moi plus les têtes de mort, on en finit. S'il vous plaît, vous pouvez me mettre plus de têtes de mort? Attendez, je veux voir les Africains qui ont les couilles et les Africaines qui ont une chatte. Fermez la page là si vous pouvez. Fermez cette page si vous pouvez. Mettez les têtes de mort. Vous savez que quand tu mets les têtes de mort à Meta, on ferme ta page. Quand tu mets les têtes de mort à Meta, on ferme ta page. Si vous êtes les Africains, si vous êtes les Africaines, mettez les têtes de mort, on ferme la page là. Si vous voulez voir le popo helele, mettez plus de têtes de mort, on ferme la page ici. J'ai bien mangé l'argent qu'il fallait sur cette page. Je n'ai plus besoin de cet argent-là. Je n'ai plus besoin de cet argent-là. Maintenant, je vais aller chercher mon argent ailleurs. Si vous avez les couilles et les minets et les chattes et les lanus, mettez les têtes de mort plus, on ferme. J'en ai marre de dire faites. Ne faites pas. Maintenant, je vous demande de faire. Faites. Mettez les têtes de mort. Je n'ai plus besoin de vous ici. J'ai déjà mangé l'argent qu'il fallait là. Je ne veux plus l'argent d'ici. Je vais aller chercher mon argent pur ailleurs. Parce que l'argent que vous me donnez même est sale. Hein? L'argent que vous me donnez est sale. C'est bon? Est-ce que le volume est bon? Mettez les têtes de mort! Non, arrête. J'ai dit les têtes de mort. Qui me met les cœurs là? Oh, mince. Non, mais coucou, ne jouez pas avec moi. Moi, je suis étonne. Chez moi, ça gâte. Chez moi, ici, ça gâte. Hein? Mais coucou, chez moi, ici, ça gâte. Moi, je suis une guanétonne. C'est vrai, je m'attaque aux gens qui ne m'ont rien fait. Je m'attaque aux femmes qui ne m'ont rien dit. Je m'attaque aux hommes qui ne... Je dis et je répète que mettez-moi les têtes de mort. Je veux finir avec cette page. C'est quoi ça? Ce sont les têtes de mort ici. Voilà, c'est ça, les rouges là. Je veux les têtes de mort. Mettez les têtes de mort. Arrêtez les cœurs. Mettez les têtes de mort. Mettez les têtes de mort. Je veux finir avec cette page. Mais coucou, je veux finir avec cette page. Vous voulez que je lève encore plus ma cuisse? Mettez plus de têtes de mort. Mettez-moi plus de têtes de mort. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Je ne viens pas ici pour vous. Je viens ici pour moi. Mettez-moi les têtes de moi. Je veux que le rouge. Je veux finir avec cette page. J'en ai marre de bavader dans rien. Qu'est-ce qui vous énerve sur ma page? C'est l'argent que Meta me donne. C'est l'argent que Meta paye. C'est ça qui vous énerve? Ce qui vous énerve sur ma page, c'est parce que ma page est monétisée? Mais coucou, j'ai monétisé ma page seule.
Personne ne m'a aidé à monétiser ma page. Hein? Je l'ai monétisée seule. Vous avez compris? Personne ne m'a aidé à monétiser ma page. Je n'ai pas demandé de l'argent à quelqu'un pour m'aider à la monétiser. Je l'ai fait toute seule. Vous avez compris? Vous me voulez quoi? Vous voulez quoi? Hein? Vous me cherchez quoi? Hein? Si vous n'arrivez pas à manger et à boire chez vous, ce n'est pas de ma faute. Vous ne mangez pas chez vous. Vous ne buvez pas chez vous. C'est de ma faute. Mais coucou, ce n'est pas l'argent de qui que ce soit. C'est mon argent que je travaille à mes temps. Hein? Je travaille mon argent à mes temps. J'ai le droit de boire. J'ai le droit de manger. J'ai le droit de faire ce que je veux. Le cam logo, mais coucou, je n'avais pas ça avant. Je n'avais pas le cam logo. Je n'avais pas le cam logo. Je suis allée faire l'amour avec mon VIP. Il est en prison actuellement. Les musulmans n'aiment pas utiliser le caoutchouc. Je ne sais pas. Il m'a amené, mais comment il m'a amené ça? C'est mon vieil et puis qui m'a amené le cam logo. Maman, je n'avais pas ça avant. Hein. Je n'avais pas ça avant. Non! Là, je suis venue ici dire que, wow, mais coucou, j'ai les mycoses, Vous êtes moqué? Hein? Hein, mais coucou, vous avez dit quoi? Comme tu as les mycoses, va voir le médecin. Quand tu dis à ton gars que, allons voir le médecin. La maladie que tu as là, ce n'est pas une bonne maladie, oh. Non, ça se voit comme ça. Je suis une vieille hippie. Mais coucou, je suis née sur la Côte d'Azur. J'ai grandi à Amsterdam. Voilà. Mais coucou, je ne suis même pas venue vous raconter ça ici. Moi, je suis venue vous dire que... qu'est-ce qui est tombé? Je suis venu vous dire que mes goku, France Andela doit partir de là où elle est et voilà.
S'il vous plaît, mettez plus les têtes de mort pour que je vais fermer derrière ma page. Mais coucou, je vais ouvrir une autre page ailleurs parce que là, je pense que vous êtes tous bornés ici. Moi, je voudrais... voilà. Mettez plus les têtes de mort, je voudrais fermer cette page. Oui, je ne suis pas maman ménopausée. Je ne suis pas maman ménopausée. J'ai mes règles. Surtout quand une femme a les règles comme ça, elle n'est pas à l'aise. Hein? Une maman qui a les règles comme ça n'est pas à l'aise. Hein? Une maman qui a les règles comme ça n'est pas à l'aise. Voilà, maman argent. Mettez plus les têtes de mort, s'il vous plaît. Je veux fermer cette page. J'ai déjà mangé beaucoup d'argent sur cette page. Maintenant, je vais aller ailleurs. Je m'appelle Angèle Andela. Je suis une star. Il y a des gens qui viennent sur ma page et veulent profiter de mon argent. Et comme je ne veux pas donner mon argent, ils me mettent les têtes de mort. Et je ne veux pas rester longtemps sur cette page. Je veux qu'ils partent. Non, moi aussi, je veux partir. Coucou, ça a trop duré. La page ici, ça fait un an. Voilà. Déjà, Meta nous oblige à ouvrir des pages chaque temps, pour amener autre chose. Voilà. Moi, j'ai déjà ouvert maintes pages. Cela ne me dérange pas. Cette page, j'ai déjà mangé beaucoup d'argent dedans. Voilà, s'il vous plaît, mettez les têtes de mort et on n'en parle plus. Je vais fermer cette page. Merci beaucoup pour les têtes de mort. Merci beaucoup. Mettez plus de têtes de mort que ça, s'il vous plaît, parce que je vais fermer la page aussi. J'en ai marre. J'en ai marre. Je vais ouvrir une page ailleurs. J'ai mangé tout l'argent là. J'ai mangé 20 000 euros hein, sur cette page. Oui, mais en même temps, j'ai bavé. En même temps, j'ai bavé, mes coucou, j'ai bavé. J'ai mangé 20 000 euros sur cette page. Parce que je suis quittée avec cette page à Saint-Raphaël. Après, je suis allée à... Voilà. Coucou, je m'appelle Angèle Andela, je suis une star. Il n'y a rien qui me fait peur dans ma vie. Il n'y a rien qui me fait peur dans ma vie parce que avant la vie c'est la mort, après la vie c'est la mort. You capiche? T'as compris? Voilà. Vous dites quoi là? Je suis une star. Vous avez compris? Je suis une star. Est-ce que ça vous va d'être une star?
Voilà. Ceux qui appellent, vous n'êtes pas abonné sur ma page. Il faut s'abonner. Ça passe pas vos appels. Ça passe pas. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, hein. Vous n'êtes pas abonné. Vous ne faites rien et vous venez appeler. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas abonné ici? On n'appelle pas ici comme ça. On n'appelle pas... Voilà, je voudrais m'adresser aux connasses et aux connards qui m'appellent. Abonnez-vous sur ma page, d'accord? Abonnez-vous sur ma page avant d'appeler. Vous voulez aboyer. Pouette. Vous voulez parler, vous voulez chanter, vous voulez danser. Sans connaître le concept. Le concept est que si tu aimes si tu aimes quelque chose, je ne vais pas dire star parce que star, ce sont des petits noms du quartier. Si tu aimes quelque chose, abonne-toi à la chose. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oui, parce que là, tu te réveilles comme ça, tu as ta caméra. Voilà. Vous vous réveillez comme ça. Voilà. Vous êtes qui pour venir ici comme ça? Vous voulez lancer les appels? Ça ne donne pas, mes coucou. Les appels ne donnent pas. Il faut s'abonner. Abonnez-vous à ma folie. Vous dites que je suis folle, non? Abonnez-vous à ma folie. Vous dites que je suis maman. Quoi là? Oh, la vie est simple. La vie est simple. Vous me pouvez. Il faut déjà s'abonner sur mes conneries. Vous croyez que je veux que vous venez même me regarder? Vous croyez que je veux que vous venez même ici? Je veux garder mes deux personnes qui m'aiment. Je ne veux plus de ce truc-là. Genre, je te donne les étoiles, je te donne l'argent. Je te donne l'amour, tu es à moi. Je te donne ma vie, je te donne ma carte bleue, je te donne ma chèque, tu es à moi. Mais dis-moi, le oiseau, le biche, tu peux me payer quoi? Voilà, ça passe pas. Non, mais pourquoi? Ça passe pas. Vous êtes abonné? Abonnez-vous. Mettez les étoiles. Mettez à ce que moi je suis une femme capricieuse. Tu veux parler ici, tu payes. Moi j'ai dit à Meta que celui qui veut parler fort ici, paye. Je te donne mon chèque, je te donne mon argent, je te donne mes habits, je te donne ma boisson, mais si tu veux parler, donne ton argent, donne tes étoiles. Mamine, dépassez-moi. Maman, on a enlevé ses enfants, c'est moi. Qui peut parler, c'est moi. Qui veut chanter, c'est moi. Tu veux parler?
Tu veux chanter? Je suis fou. Tu quand tu étais heureux, tu étais sympa. Quand tu étais derrière, tu étais gentil. Tu as déjà les millions, tu me prends. Hey. Ouh, le bout de ça. Quand tu étais heureux, tu étais sympa. Quand tu étais derrière, tu étais gentil. Tu es déjà millionnaire, tu te prends pour un dieu. Et pour te vaibre, pour France Andela, fouette-moi, Prisca Rulo, fouette-moi, Lola Andela, fouette-moi, Anatole Bébé, tchoua, voilà. Ah, coucou, mais coucou, est-ce que ça va? Le volume est bon? Voilà, je m'appelle Angèle Andela, je suis une artiste, hein? À la base, je suis artiste. Mais je ne veux pas mélanger ma musique avec ce que je fais ici à Meta. C'est pour ça que je mets ma musique de côté. Et puis ici, sur Meta, je vous raconte mes petits bobos. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, je vous raconte mes types. Voilà. Donc, j'étais, moi, j'avais mes cuisses. Mais coucou, vous voyez, non. J'avais mes cuisses. Je n'avais pas le camno. Bon, vous voyez le cam de bonhomme? J'ai commencé à baiser avec mon vieil pied. Et puis, bon, au départ, ça a commencé avec les démangeaisons. Je vous avais dit, mais coucou, j'ai des démangeaisons. Vous avez dit, mais va, pourquoi tu nous racontes ça ici? Va à l'hôpital. D'aller à l'hôpital hein. Et puis je suis pas allée à l'hôpital. On m'a dit, les filles m'ont dit clou de girofle, clou de javel, citron. J'ai essayé de faire ça. Ça a calmé mes mycoses, hein, mes coucous, ça a calmé. Mais sauf que tout ça calmait. Et ben, suis plus allée jamais voir le médecin. Je ne suis pas allée voir le médecin parce que c'est rare d'en trouver. C'est rare d'en trouver. Spécialité-là, c'est rare d'en trouver. Si tu habites dans une grande ville. Maintenant, là, vous voyez le camp de Gonon. Coucou. Coucou, mais coucou. Vous voyez le camp de Gonon. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Bah, j'attends que mon vieil qui sorte de la prison. On ira voir le gynécologue ensemble. Parce que, comme je vous dis, ça sert à rien que moi je me soigne et que lui ne se soigne pas. Parce que, quand vous m'avez dit, utilisez l'eau de Javel, clou de girofle, assis-toi dans la bassine. Oh, mais coucou, je l'ai fait, je l'ai fait. Ça a calmé, hein. Mais ça n'a pas guéri. Voilà. Donc, le petit camp de goku que vous voyez ici, tu vois, non.
Vous voyez, c'est le Cameroun. Bah oui, mais coucou, bah oui. Je vous raconte ma vraie vie, hein. Moi-même, je ne voulais pas parler de mon Cameroun. C'est quand j'ai élevé ma cuisse que les gens ont commencé à dire, wow, Cameroun. Mais coucou, vous aussi, vous regardez. Bon. Vous regardez tout, hein. Ça m'énerve, hein. Moi-même, je viens ici comme ça pour vous raconter les vraies choses. Tellement vous avez les yeux braqués, braqués sur tout. Que je dis aussi que je suis bien surveillée à ce niveau. Mais pourquoi on va aller, non? Merci pour les étoiles, hein. Qui a dit les étoiles comme ça? Eh bien, qui a dit les étoiles comme ça? Mais mon vieil pied noir, même s'il a le cam logo, est-ce qu'on voit alors? Oh. Voilà, j'ai déjà commandé mon tissu de 20 mai. Maman, mon coucou, j'ai commandé mon cabas du 20 mai. J'ai commandé mon cabas du 20 mai qui va arriver bientôt. Donc voilà. Hey! Mais coucou, oui, on m'appelle déjà. Mais coucou, oui, Dieu, mon bel Dieu. Mon bel Dieu. Bel Dieu. Mon bel Dieu. Mais Za. Mettez les têtes de moi ici. Mettez les têtes de moi, non. Mettez même les têtes de moi qui tue ça. Ça. Ma salle de ma je ne suis plus dans votre chambre là. Elle ne peut pas céder. Je ne peux plus céder dans votre salle. Pardon. Ici, elle est où la personne qui a mis les têtes? Les étoiles. Quoi? Quoi? Tu m'écris quoi? Mettez les têtes de moi. Mettez les têtes de moi qui suis là. Tu m'écris encore WhatsApp? Oui, mets-moi les têtes de moi. Voilà, c'est ça. Mais plus. Mets les têtes de moi. Pas les têtes de moi mélangées avec les cœurs. Ah non, ce ne sont pas les têtes. Oui, les têtes de moi, oui. Ah bon, bah écoutez, vous m'embrouillez. Un coup, les têtes de moi. Mais coucou, il y a quelqu'un qui m'écrit à WhatsApp qui dit que tu me peux, tu me peux. Maman, écoute, mais coucou, attendez.
Il y a quelqu'un qui m'écrit à WhatsApp qui dit que tu me peux, toi, Angèle Andela, la star, tu es qui? Quelqu'un vient de m'envoyer un message comme ça ici. Mais coucou, je vais lui montrer que je suis quelque chose. Attendez, je vais vous montrer mon lit. Hein? Je vais vous montrer là où je dors. Maman, il me. Angèle Andela, tu me peux. Toi, tu. Maman, il y a quelqu'un qui va. Ah, c'est une fille de Kourandeng. Mais coucou, c'est une fille de Kourandeng. Elle est de Kourandeng. Voilà, je vais vous raconter un peu ma vie. La fille de Kourandeng. Elle m'appelle ici, elle me dit, oui, est-ce que tu peux me ramener les vivres du pays? Je lui dis oui. Et elle m'envoie de l'argent, elle m'envoie 2000 euros. Voilà, moi, Minika Kourandeng, non, elle m'a envoyé 2000 euros. Oui, est-ce que tu vois? Jamais les vivres du pays, mais coucou, à Roissy, ils ont tout bloqué. Quand on a tout bloqué, mais coucou, c'est ma faute. Voilà, moi, oui, elle m'avait envoyé 2000 euros, non, 2500 euros. Non, j'avais deux filles qui m'ont envoyé de l'argent. Il y a une qui m'a envoyé 2500 euros. Il y a une qui m'a envoyé 700 euros. Celle qui m'envoie 700 euros, c'était par rapport au vivre sec. Donc, ça passe la douane. Et celle qui m'envoie 2000 euros, c'était des vivres fraîches. Comme moi, je ne suis pas agréée, mais coucou, c'est vrai, je vous ai dit que j'ai une société, hein, je vous ai dit que j'ai une société, je peux passer tout ce que je veux à la douane, mais les choses, elle m'a demandé le lézard noir, pas le blanc, hein. On a mis dans la valise. Après, elle m'a dit, je veux la vipère. On a mis dans la valise. Après, elle m'a dit, je veux le chimpanzé. On a mis dans la valise. Après, elle m'a dit, je veux les oiseaux qui font pierre, j'ai payé 5 000 francs à 10 à 20 personnes. Les bébés métis dorment. Liliane, les bébés métis dorment. Ah, les bébés métis dorment. Les bébés métis dorment. Oui, je ne viens plus avec mes bébés métis. Voilà. Mais coucou. Ils dorment. Je ne veux plus venir avec eux ici parce que moi, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Et je paye mon luxe. Tu vois, non, quand je viens ici, je paye ma connexion, j'achète mes habits, je paye en fait ma Starmania. Tout ce que je fais ici, je paye. La connexion, le wifi, mes habits, ma boisson, ma nourriture et quand je viens comme ça, quand je viens comme ça, voilà, mais coucou, vos appels ne passent pas, hein? Vous me passez des appels, ça passe pas. Ah, ça passe pas. J'ai pas un téléphone. Voilà, moi, j'ai qu'un smartphone. J'ai pas un smartphone. J'ai aussi, voilà, j'ai un smartphone et c'est compliqué avec les smartphones. Oh. Coucou. Donc, là, vous appelez, non, ça passe pas, ça passe pas. Oui, donc je vous ai que. Mais coucou, les femmes qui m'ont
déteste ici, c'est parce que elles sont en couple avec les hommes qui ne travaillent pas. Et tous les hommes là sont sans papier. Voilà, je vais. Je voudrais m'adresser aux femmes qui sont en couple avec les hommes qui ne travaillent pas, qui fument la cigarette, qui se droguent et qui boivent l'alcool. Voilà. Je m'appelle Angèle Andela. Je suis une star. Je suis une femme qui a été avec un homme qui ne gagne pas beaucoup d'argent et qui veut la vie du luxe. Donc, voiture, cigarette, épater ses amis. Je vais couper mon direct, je relance. Connectez-vous, connectez-vous.